Bonjour messieurs, dames, qui êtes-vous ? Madame Horner de Bouzonville. Et Jean-Louis, son époux, de Bouzonville aussi. Vaut mieux. On a l'habitude régulièrement de vous voir à Creativoire, on voit que ça évolue au fil du temps, vos décorations de table. Oui, on fait des tables sur tous les thèmes, pour baptême, communion, mariage, il y en a pour le jardin, il y en a une sur la savane, sur les tulipes, par exemple pour des noces d'argent, des noces d'or. Alors, comment vous viennent toutes ces idées justement pour faire cet art de la table ? Je ne pense qu'à ça. Et je suis remerciée de ne penser qu'à ça. Ça vient tout seul. J'aime créer de mes mains avec des choses qu'on trouve partout. Hein, des pots de yaourt, des morceaux de bois, des rondelles de bois que mon mari coupe. Voilà. Des bouchons. Des bouchons. Hein, la table du vin, par exemple, qui est faite avec des bouchons de bouteilles. Alors c'est le monsieur qui met en musique. L'idée vient de madame et c'est monsieur qui fait le montage. On peut dire en action, oui. On peut dire comme ça. Alors vous êtes un fin bricoleur finalement ? Un peu bricoleur, c'est vrai. Bon, il faut dire que j'ai le petit matériel de menuisier, le petit matériel. Je ne vais pas faire de publicité à la marque Kitty sans faire de pub, mais bon, c'est du petit matériel et puis avec ça, on s'amuse pas mal. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'on arrive à en faire de plus en plus et ne plus penser qu'à ça ? Parce que les gens sont, de voir les gens tellement contents, ils nous félicitent de ce qu'on fait, puis on aime ça, ça nous occupe. J'adore créer. J'ai fait des livres. Hein. J'ai fait 96 livres en tout. 96 livres. Oui, et on vient de sortir notre dernier livre là sur les tables festives, où il y a 15 tables dedans, entièrement faites à la main, et on a notre nom tous les deux dessus. Oui. Ah, monsieur aussi. Oui. Oui. Je participe à tout ça. Voilà. Les explications sont faites par madame, bien sûr, en brouillant au coup de crayon. Je tape ça à l'ordinateur pour l'envoyer chez l'éditeur. Qui lui, bien sûr, le corrige de façon. Alors, il y a beaucoup de demandes là-dessus, c'est-à-dire que les gens sont très demandeurs de ce. Surtout des choses qu'on fait à la main. Pas qu'on achète, vous voyez, dans des supermarchés pour mettre sur la table, mais qu'on fait à la main, soi-même. Il y a quand même la satisfaction de faire soi-même. Alors, est-ce qu'il manque d'imagination pour vous demander ou pour venir vous voir comme ça ? Ben, il ne manque pas d'imagination quand ils ont vu quelque chose. C'est différent. Hein, on fait autre chose. Et puis il y a le contact. Voilà. Et on entend les gens quand ils arrivent. Ah, c'est celle de l'année dernière. Ça commence à être connu. Oui. Alors, j'ai un blog aussi. Décomaline. www.décomaline.com. D'accord. Et quelle est la table la plus insolite que vous ayez pu faire dans... C'était la vaisselle cassée. Pour les 10 ans de mariage. Oui. On a cassé la vaisselle et on les a collés sur des supports pour faire des vases, des couronnes, des choses comme ça. Et on a fait le menu en marquant le prénom des deux personnes, hein, de la dame et du monsieur, sur deux morceaux de vaisselle cassés, sur le menu. Voilà. C'est votre plus belle réussite ? C'est pas ma plus belle réussite, mais c'était, disons, pas original. Mmh. La plus belle table, je crois que ça a été la savane parce qu'on a fait des huttes en paille. Voilà. Celle-là, elle était présentée l'année dernière, je ne sais pas si elle est. Oui, mais là, on l'a vendue hier et on a remis une table pour la Saint-Valentin. On a donné 3 idées pour la Saint-Valentin.